Donc j'ai commandé un petit carnet donc parce que je voudrais faire du bullet journal. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, enfin, mais je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore commencé parce que j'attendais de faire la vidéo voilà, pour m'y mettre. Mais je m'attendais à un truc un peu plus grand en fait. Parce que moi j'écris gros en fait. J'écris gros et enfin je vais tester quand même, je vais tester là-dessus pour voir. J'en ai pris un à ligne parce que je sais pas, pour moi ça semble plus simple avec des lignes. Donc si je trouve le prix, je vous remettrai le prix à l'écran. Mais donc voilà, c'est un 192 pages. Je m'attendais à plus grand alors que j'avais regardé le format. Hein. Mais bon, j'ai pris le moins cher. Non, peut-être pas le moins cher. Il est en effet soft touch. Voilà, donc je voudrais essayer de commencer à faire un petit peu de bullet journal pour essayer de me remettre un petit peu à jour. Voilà, pour mon alimentation, pour mes rendez-vous, pour mes lectures. Enfin voilà, je voudrais faire un petit peu là-dessus. Et justement, me faire mon budget livresque et autres là-dedans. Pour essayer de me gérer un peu plus financièrement. Voilà. Pour éviter les trop gros craquages ou autres, voir vraiment. Visuellement le voir vraiment combien je dépense tous les mois pour les bouquins, ça va peut-être me calmer un peu. Voilà. Donc je vais tester ça, je vais voir. Je mettrai peut-être des petites photos sur Insta ou Snap ou peut-être Facebook, je sais pas. Voilà. Voilà. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et je partage toujours un peu plus voilà, qu'en vidéo forcément. Donc voilà. Les liens sont pareils, sont en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. Mais le papier a l'air pas trop trop mal. Donc à voir. Parce que j'aimerais essayer de. Bah, je suis pas très douée pour le dessin, donc je pense que je ferai plus des tampons. Voilà. Essayer. Je sais pas si. Et peut-être essayer aussi avec du stamping dedans. J'ai plus trop le temps de faire de stamping sur mes ongles, peut-être que j'aurai le temps sur, voilà, sur mon bullet. Donc, je vais me dépêcher, il me reste 5 minutes sur la carte mémoire. Donc ensuite, bah, j'ai commandé celui-ci, il est juste énorme, il est super 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 grand. Donc c'est une tanasse pour pouvoir avoir de la place pour le faire, mais voilà. Il est vraiment beau. Je l'ai eu, je crois que c'est 4 euros ou 2 euros, je ne sais plus trop à combien je l'ai eu. Je l'ai commencé, mais j'ai encore pas fini le premier. Hein. Bibou me laisse pas trop le temps et j'ai fait une première erreur. Enfin voilà, je fais toujours des erreurs. J'ai commencé. Normalement, il faut que je parte. Que le numéro le plus gros soit la couleur la plus claire. Et j'ai fait l'inverse. Enfin voilà. Vous avez 4 couleurs à mettre. Et voilà. Je vais vous montrer. Donc le premier. Voilà. J'avais deviné quasiment, enfin très vite j'ai deviné qui c'était. Mon homme ne connaît pas, donc voilà. Mais voilà, ça j'aime beaucoup, c'est très relaxant, très reposant, j'aime vraiment beaucoup, donc je vais continuer. J'ai bientôt fini celui-ci, il me reste plus que la partie droite à compléter. Donc je l'ai bientôt fini celui-ci. Et voilà, c'est très 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 bien. Quand vous le recevez, hein, ils sont neufs. Hein. J'ai commandé aussi celui-ci. Donc, tatou à colorier pour se détendre ou s'inspirer aux éditions Marabout. Le premier aussi était de chez Marabout. Hein. Donc, je vous ferai des présentations. Voilà. Exprès. Je vous ferai juste des vidéos juste pour ça. Je vais peut-être les filmer aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais recharger bien ma caméra, donc voilà celui-ci. De toute manière, je vous montre pas là parce que je vais vous faire une vidéo spéciale dessus, mais ça vaut vraiment le coup, donc c'est cool. Et j'ai aussi pris celui-ci, donc un de chez Hachette Pratique. Voilà, normalement il est à 9, il est à 12,90 €. J'ai dû l'avoir maxi à 4, donc c'est quand même nickel. Il est encore sous blister, je l'ai encore pas ouvert. Vous voyez, j'ai vraiment attendu la vidéo pour le faire. Donc là c'est des coloriages mystères, donc anamorphose, donc sans coloriage mystère. Donc voilà,
J'ai hâte de le commencer aussi. J'espère que niveau des couleurs, je serai pas trop bloquée parce que j'ai l'impression qu'avec mes peines 68, j'ai pas suffisamment de nuances. Pourtant, j'en ai beaucoup et il m'en manque très peu en fait. Et j'ai quand même l'impression que je suis bloquée, donc ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Parce que je sais pas trop après chez qui prendre des feutres pour avoir d'autres couleurs en fait. Et est-ce qu'ils vont me plaire autant? Parce que j'aime bien les 68. Je vais ouvrir quand même. Ah, puis il y a même des parties où il y a des. Voilà, parties dorées. C'est chouette. C'est chouette. Donc faut que après je faites-en un cylindre et révélez vos trompe-l'œil. Voilà, il faut voilà, il se détache, je pense, ça se détache et après on fait des cylindres avec et vous avez les solutions à la fin. Mais il y a des gros nombres de pages en bas. De toute façon, ils sont à découper, je pense. Ouais, c'est à découper. Si je comprends bien, je sais pas trop. Faudra falloir que je comprenne le pourquoi du comment. Mais bon, ça passe. Voilà. Vous avez un cercle là. Voilà. Donc, faut que vous les mettez en fonction, voilà, en cylindre pour pouvoir révéler le dessin final. Donc, voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'hab, elle a été super longue. Je vais m'amuser au montage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.